Bonjour, chers frères, chers sœurs, Diawara et alliés. Au nom du roi général de Diawara, le chef général de Diawara, notamment du Diawara, et ses deux députés vivants, le Médiawara de Marikandia Madina, le Majore Diawara de Pema, au nom de tous les chefs de village Diawara à travers le monde, le chef Diawara de Bamako, Marikandia Diawara, au nom de toutes les équipes de la Fondation de la Mandibule, nous disons merci, merci et merci à toutes et à tous qui se sont mobilisés le lundi 24 octobre 2022 à Pambagré pour le coulage du béton de notre mémorial musée Cameroun Diawara. Les Diawara vous disent merci, merci. Nous avons été très fiers de vous. Depuis l'aube jusqu'à 19h, vous étiez là à faire ce travail. Avec toute l'abnégation, la bravoure. Et nous lui disons merci. C'était une fierté pour nous. L'étape franchie est formidable, mais ce n'est pas tout, ce n'est qu'un début. Parce qu'il y a le crépissage, le problème d'adhésionnage, la peinture, l'électricité, les sanitaires, les forages, le carrelage. Il faudra le mur de clôture sur 4 hectares et demi. L'État nous a attribué 4 hectares et demi officiellement, sur lesquels nous devons faire construire l'ensemble de l'ouvrage. Et nous sollicitons votre appui, votre aide pour une contribution. La contribution de toutes et de tous est demandée. Il ne s'agit pas seulement des Diawara, mais de tout le monde. Soninke, Bambara, Peul, toutes les Malinke, toutes les ethnies du Mali, et d'ailleurs, tous les amoureux de la culture africaine, de façon générale. Nous espérons que vous allez répondre à l'appel des Diawara. Et nous espérons vivement que les uns et les autres qui n'avaient pas eu l'occasion de contribuer lors de la première phase vont se racheter et commencer à contribuer pour cette seconde phase qui va débuter. Nos équipes de Bamako, l'équipe de l'Europe, avec un certain Foudier Diawara de Koun, son premier vice-président Baba, notre papa, c'est la maladie Baba Diawara, l'équipe d'Abidjan avec Mahamadou, l'équipe de Conakry avec Moussa, l'équipe de Gambie avec Sio Haremou, l'équipe de Mauritanie, l'équipe d'Atlanta, l'équipe de Seattle Washington, notre équipe qui est au Togo, au Bénin, et au Burkina Faso avec notre père, le docteur Gaussou Diawara, ses frères, Mabou, et tout le monde appelé pour Mabou. Nous comptons sur vous toutes et vous tous pour une seconde mobilisation afin que nous puissions terminer avec ce travail. Nos représentations qui sont au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Mozambique, en Angola, nous attendons votre contribution. Ce n'est que le début. Et j'espère que nous allons terminer ensemble l'ouvrage gigantesque pour la promotion de la culture africaine de façon générale et la culture sous-régionale. Ce projet est un projet d'intégration, comme nous l'avons dit tantôt quand nous avons eu l'occasion de rencontrer les plus hautes autorités maliennes, pour dire que le musée mémorial va faire partie du patrimoine culturel malien. Ivoirien, Sénégalais, Gambien, Mauritanien, Guinéen, Burkinabé, un peu partout. Parce que les Diawara et leurs alliés sont présents dans tous ces pays. Et on a une forte diaspora en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout. Parlant de l'Asie, nous avons nos équipes qui sont sur place. Mathiaï Dramé de Jakarta, Mahamadou Sahou, Guangzhou en Chine. Et Ibrahim Diawara qui est à Bangkok, à Thaïlande. Tous ceux qui sont en Asie peuvent les approcher. Et nous espérons vivement que nous allons poursuivre ce projet ensemble. Et Inch'Allah, on arrivera à bon port et que la prochaine fois, c'est pour venir pour la cérémonie d'inauguration. Je vous remercie et bon jugement à toutes et à tous.